Bonjour à tous, aujourd'hui je fais une vidéo de mes produits terminés. Si vous trouvez que l'image est floue, c'est qu'aujourd'hui je filme avec mon cellulaire. Ma caméra est toujours brisée, toujours pas réparée. Ça fait que je fais comme un test là, pour voir si c'est pas pire une vidéo avec mon cellulaire. Puis si c'est pas pire, comme vous pouvez voir, mon bureau à maquillage, là, il est vraiment dégueulasse. Il est vraiment, vraiment, vraiment en désordre. Fait que je me suis dit que je pourrais vous filmer une vidéo de de ménage là, avant que bébé arrive. Fait que ça, c'est comme la vidéo test. Voici mes produits terminés. Donc, je sais pas ça fait combien de temps que j'ai fait de vidéos de produits terminés, mais en tout cas, depuis la dernière fois, j'ai terminé deux bouteilles de revitalisant de la marque Maui. C'est une marque qui se trouve en pharmacie, mais que pour une marque de pharmacie, elle est quand même chère, là. Mettons, une petite bouteille comme ça, c'est environ 10 $. Fait que compte tenu que tu peux aller dans un salon de coiffure, puis pour 20 $ avoir, mettons, 1 litre de produits professionnels, c'est pas si économique, mais moi, je les prends en pharmaprix. Fait que souvent, je vais l'avoir, ça va me donner beaucoup de points, ou je vais l'avoir dans mes... quand il y a des événements, dépenser les points. Fait que c'est pour ça que j'aime bien le prendre au pharmaprix. Mais par contre, les ingrédients sont vraiment bons. Tu sais, c'est tout sans silicone, sans sulfate, sans gluten, sans parabènes, écologique, végétalien, tout plein d'affaires, là. Tous les produits de cette marque-là que j'ai déjà essayé sont tous vraiment bons à date. J'ai essayé la gamme rose, comme ça. Celui-là, c'est Ravive et hydrate pour cheveux abîmés. Puis sinon, il y a la gamme bleue que j'ai déjà pris aussi, qui était hydratant pour, je pense, à l'eau de coco, noix de coco, quelque chose comme ça. Puis ça sent super bon. Celui-là aussi sent super bon. Fait qu'en tout cas, j'ai fini deux revitalisants. J'ai terminé un petit shampoing sec Quickie Me de Design Me. C'est ma belle-sœur Camille qui me l'avait donné, je pense, à Noël l'année passée. Fait que ça fait quasiment un an que je l'ai. Tu sais, j'utilise pas énormément ça, des shampoings secs, mais quand j'en utilise, celui-là, c'est vraiment un que j'aime. Puis d'ailleurs, je me le suis recommandé là, sur le site de Concept C-Shop. D'ailleurs, je devrais le recevoir bientôt. Fait que c'est un que j'avais beaucoup aimé, il sent bon. Puis il y a pour deux versions. Là, moi, c'est pour blond et pastel. Fait que celui-là, je l'adorais. J'ai terminé un shampoing bleu mauve, là. Shampoing, dans le fond, pour neutraliser le jonc, là. Celui-là, c'est Nourishing Spot de Alter Ego. La bouteille a changé, là. La nouvelle bouteille est brune avec comme une étiquette rouge, là. Mais c'est la même formule, je crois, là. J'hésiterais pas à le racheter. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Là, présentement, j'utilise le Goodbye Yellow de Schwarzkopf. Pour moi, c'est pas mal la même affaire, là. Je trouve que ça se ressemble beaucoup. Les deux sont super pigmentés. Les deux, quand tu utilises ça, tu deviens tout le contour des ongles bleus, là, tellement que c'est pigmenté, là, mais c'est très efficace, là. Fait que, puis une grosse bouteille comme ça, je sens que c'est à peu près 30, 35 $ peut-être, là. J'ai terminé un revitalisant Hello Hydration de Herbal Essence. Je l'utilisais surtout pour me faire des teintures, ben, c'est-à-dire, attends une minute. Admettons que j'aime ça me faire des petites couleurs pastel. Comme exemple, j'aimerais ça me faire un petit mauve pastel. Ben, je mélange mon mauve comme ça avec du revitalisant. Puis ça vient diluer le mauve, fait que ça fait comme un mauve plus pastel. Fait que j'ai terminé d'ailleurs deux couleurs de Arctic Fox. La couleur Girl Night, qui est justement comme un genre de mauve, mais quand même déjà un peu pastel, mais quand même trop flash. Quand t'as le goût d'un pastel, ça reste quand même flash, ça. Puis j'ai pris un gris aussi qui s'appelle le Sterling. Puis c'est pour ça que j'ai en ce moment. En ce moment, j'ai un toner, mais des fois, je prends ça pour me faire les cheveux gris. Mais en tout cas, bref, ce revitalisant-là, il est vraiment pas cher. Puis il sent vraiment, vraiment, vraiment bon. C'est un revitalisant que j'avais commencé à acheter au secondaire. Puis au secondaire, là, je tripais sur l'odeur. Mais ça n'a pas changé. Je tripe encore sur l'odeur. Je pense que je vais le racheter toujours juste pour l'odeur, tellement qu'il sent bon. Puis il est pas cher. On est parti dans les produits pour cheveux, hein? J'ai fini un shampoing de L'Oréal. L'Oréal Nutri Shimmer Crystal. C'est un shampoing de pharmacie, là, celui-là, là, 3, 4 $ à peu près, là. Puis c'est pas mal dans mes shampoings préférés de pharmacie. D'ailleurs, le matin, je l'ai utilisé dans mes cheveux, là. Puis, parce que je veux faire partir mon rose, là. Vous voyez, mon rose, ça fait un mois que je l'ai. Puis, il n'est pas partable. En fin de semaine, là, je me suis fait 6 shampoings
Puis à chaque fois, là, l'eau a coulé rose, là, fait que là, je me disais, yes, ça s'en va. Puis un matin encore, là, je me suis fait comme quatre shampoings de pharmacie, là, quatre shampoings, là. Puis à chaque fois, ça coulait rose. Puis là, je sors de la douche, puis c'est encore rose foncé. Fait que cette couleur-là, j'ai pas gardé le tube, là, mais c'était le Joico Color Intensity dans la couleur magenta. Fait que il tient vraiment bien. Fait que, mais là, je commence à être tannée, là, j'ai hâte qu'ils partent, là. Fait que j'ai pris ce shampoing-là ce matin, mais ça, c'est une autre bouteille, là. J'en ai des réserves, je l'aime tellement, ce shampoing-là. Il est comme, il mousse beaucoup, 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 puis il laisse les cheveux super légers, comme pas de résidus, là. C'est sûr, il contient du sulfate, là, fait que, mais moi, de temps en temps, j'aime bien ça, là, des petits shampoings comme ça avec du sulfate, là. Bon, maquillage, maintenant. J'ai fini un fond de teint de Marcelle, là, que j'avais pris à la vente d'entrepôt. C'est un fond de teint anti-rides. Je l'ai pas particulièrement aimé. Le mettons là, je le mettais. Tu sais, là, comme quand tu veux juste te maquiller pour aller faire des commissions, puis mettre un fond de teint que t'aimes pas trop pour le passer, c'est ça que je mettais. Fait que il était correct, là, mais justement, c'est fait pour anti-rides. Fait qu'il était comme un peu sérum en même temps. Puis il tenait pas bien en plus, là. Fait qu'il était comme gras, puis. Bon, je l'ai pas aimé. Pas en tout. J'ai terminé ce fond de teint-là. C'est le L'Oréal Infaillible Pro Matte. Super bon fond de teint, franchement. Moi, je l'avais pris à la vente d'entrepôt là, de L'Oréal, là. Fait que c'est sûr que à plein prix, là, mettons, je pense qu'il est quasiment 15$. Je trouve pas qu'il vaut ça. Parce que pour beaucoup moins cher, on a le Fit Me de Maybelline. Que selon moi, je l'aime mieux, là. Mais celui-là, par contre. Quand on le prend en spécial, là, je trouve que c'est vraiment un bon fond de teint. Le Pro Matte, là, fait que ça fait peau mate. Puis il tient longtemps, il tient vraiment longtemps. J'ai terminé un cache-cerne de Colourpop. C'était la couleur Light 16. Fait que petit cache-cerne que j'ai beaucoup, 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 beaucoup aimé. J'en ai un autre, mais d'une autre couleur. Fait que non, c'est une formule que j'aime beaucoup. Il est pas sec, il est pas trop épais, il est pas trop liquide, il est juste parfait, là, je trouve, comme cache-cerne de Colourpop. Puis, sur le site de Colourpop, il est 6 ou 7$, là, tu sais, il est pas très cher. J'ai terminé un mascara, le L'Oréal Voluminous Lash Paradise. J'avais pris un paquet de 3 au Costco. Fait que, très avantageux, là, je pense que le paquet de 3 au Costco, ça coûte 24$. Fait que ça revient à 8$ du mascara. Puis moi, c'est un mascara que j'ai toujours beaucoup aimé. Par contre, il sèche vite. T'sais, tu peux pas faire vraiment longtemps avec, là, parce qu'il sèche assez rapidement, là. Fait que c'est ça. Mais sinon, côté effet, pour moi, il fait vraiment un bel effet. J'ai terminé ça ici de Pixi. C'est comme un genre de bruine hydratante qu'on met pour le maquillage, là. Ça dit avec de l'acide hyaluronique et avoine noire. Je m'en servais, ben, des fois pour hydrater mon visage avant le maquillage, des fois pour mettre après la poudre, admettons que je trouvais que ça faisait comme trop poudreux. Je mets ça par-dessus, puis bon. Mais tu sais, je n'ai pas trouvé qu'il était super génial, là. Tu sais, je veux dire, je l'ai aimé, mais sans plus. Fait que je n'ai pas tendance à racheter ça dans ce temps-là, parce que ce n'était pas un coup de cœur. C'était juste. Correct. Ensuite, je me débarrasse d'une éponge. C'est une éponge du site Shop Miss A. Puis, c'est la version Pow Pow à AOA Studio Latex Free 1,55 Wonder Blender. Bon, c'est ça ici, là, c'est marqué Pow Pow Édition. Pow Pow Édition, la différence avec les normales, c'est qu'ils sont juste plus molles. Mettons, comme là, elle est même pas mouillée, puis elle est full, full molle. Là, tandis que. Les normales, quand elles sont sèches, sont un petit peu plus fermes. Mais un coup mouillé, j'aime les deux versions, là. Un coup mouillé, j'aime les deux versions. Mais mettons, celle-là, même sèche, elle va vraiment bien. Puis elle coûte 1,55 $. Fait que moi, quand je commande sur le site de Miss A, je fais des réserves, là. J'en commande, je sais pas, 15 éponges, là, mettons, là. Parce qu'il faut quand même les changer de temps en temps, là. Faut pas garder ça des mois et des mois et des mois, là. C'est pas très hygiénique. Même si on la lave. J'ai terminé un fond de teint de Too Faced, le Peach Perfect. Puis ça, c'est vraiment pas mal un de mes fonds de teint coup de cœur. Autant pour le fini qui est comme mat naturel, mettons, pas trop mat, là, tu sais. Semblable au fini du Fit Me de Maybelline, mais peut-être un petit peu plus mat.
Puis, il sent vraiment bon. Puis là, cet été ou au printemps, il est tombé en spécial, fait que j'en ai racheté plein de bouteilles parce que j'aime vraiment beaucoup. Puis, tu sais, à prix régulier, il est quand même 35 ou 38 $ quand même, là. Mais il était tombé en spécial, là, à peu près à 20 $ là, au printemps. Fait que non, ça, c'est vraiment un de mes fonds de teint coup de cœur. Si vous voyez en spécial, là, il vaut vraiment la peine. Je me débarrasse d'un petit rasoir, c'est un petit rasoir pour le visage comme ça. Ça, c'est la marque Co. C'est la marque du Pharmaprix, là. Il fait la job, mais c'est vraiment pas mon préféré. Mes préférés à date, là, de ceux que j'ai essayés, c'est les Chic. Fait que ça, c'est le Chic. Puis ça, c'est le Co. Fait que je trouve que le Chic, il glisse vraiment mieux sur la peau, tandis que lui, il est comme un peu plus de grip, là, quand on passe, là. Fait que j'aime un petit peu moins le feeling avec celle-là de Co, mais il faisait quand même la job, là. Bon, j'ai des sels d'Epsom, fait que j'ai terminé le sel d'Epsom Dr. Teal, beurre de karité et huile d'amande pour adoucir et hydrater. Adoucir et hydrater. Non, ça n'a pas fait une grosse différence d'un autre sel d'Epsom dans le bain, je trouve, là. Celui-là, on le trouve au Pharmaprix. L'odeur était super bonne, moi je trouve, là. C'est l'huile d'amande, tout ça, ça sent vraiment bon, là. Mais ça, moi j'aime ça, là, les petits bains là, avec des sels d'Epsom comme ça. Puis ça fait du bien, ça met une belle ambiance. Ça fait un bain relaxant qui sent bon. C'est vraiment le fun. Puis l'autre que j'ai terminé, c'est de Equay. Ça les sentait vraiment bon. Celui-là, c'est sel d'Epsom pour le bain noix de coco. Puis calme et rafraîchi. Encore une fois, pour moi, c'était plus. Ben en fait, c'est calmant tout court de prendre un bain avec une bonne odeur comme ça que t'aimes, là. Puis en plus, je trouve que le sel d'Epsom, mettons, c'est vraiment économique à comparer, exemple, des bombes de bain ou des produits spéciaux comme ça pour le bain. Puis moi, j'aime ça quand même prendre souvent des bains spéciaux, là, des petits bains relaxants. Fait que celui-là, ben les sels d'Epsom, c'est ça. En général, là, je trouve que ça vaut vraiment la peine, là. Fait que celui-là de Equate à la noix de coco, je l'ai vraiment aimé. J'ai terminé un gel douche, les petits Marseillais. C'était pêche blanche et nectarine. Ça, là, l'année passée, je sais pas là, si vous suivez beaucoup les influenceuses, là, mais il y a comme eu une méga campagne de publicité pour ces produits-là, puis tout le monde capotait sur ces produits-là. C'est vrai que ça sent super bon, là. Mais côté effet sur la peau, tu sais, je trouve que ça mousse pas nécessairement mieux ou plus, ça fait pas la peau plus douce, ça fait rien. Tu sais, mettons, j'en ai un de Olay, là, qui est vraiment comme crémeux sur la peau pis tout, là. Pis qu'il mousse pis il est onctueux pis vraiment plus le fun, tu sais. Tandis que celui-là, ben rien de particulier. Mais il sent vraiment bon pis je l'ai beaucoup aimé, là, mais rien de over the top. Ah, celle-là, par exemple. Celle-là, là. C'est vraiment un chouchou. Chouchou à de plusieurs personnes, je crois, là. C'est l'huile de douche nettoyante adoucissante à l'huile d'amande de l'Occitane. Ça, c'est merveilleux. Ça, je pense que c'est ma troisième bouteille, puis j'en ai une autre d'ailleurs. Un coup que t'as goûté à ça, là, tu y goûtes pas, là. Un coup que t'as goûté à ça, un coup que t'as essayé, t'as eu le feeling de ça. En tout cas, moi, mettons, ça m'en prend tout le temps une dans ma douche. Je reviendrai plus en arrière. C'est trop un produit que j'aime, qui adoucit la peau. Dans le fond, c'est une huile. Quand tu la mets dans ta main, c'est une huile. Mais dès que tu viens la mettre au contact de l'eau, ça fait comme une petite mousse. Puis c'est une mousse onctueuse qui rend tellement la peau douce. Puis ça, mettons, pour se raser les jambes, là, c'est tellement parfait, là. Tu t'en mets juste une petite affaire, une petite goutte de rien sur tes jambes, là. Puis là, tu frottes l'huile. Puis là, l'huile, elle devient en mousse, là. Là, tu peux te raser les jambes, puis vu que c'est léger, ben ça reste pas pogné dans le rasoir, là, tu sais. Il y en a là, des produits là, que c'est comme trop épais, puis tu passes ton rasoir, puis ça reste pris dans le rasoir. Non, non, ça c'est vraiment comme léger, c'est parfait. C'est vraiment, ouais, un de mes produits préférés. Quand même dispendieux, mais qui dure vraiment longtemps. Une petite bouteille comme ça, c'est environ 25 $, mais c'est ça. Tu sais, moi je l'utilise avec parcimonie, c'est comme un petit produit chouchou spécial. C'est pas mon gel douche que je prends tous les jours, là. Tu sais, c'est ça. C'est un petit produit spécial. J'ai terminé démaquillant Avon True. Démaquillant pour les yeux.
lotion démaquillante pour les yeux. Je vous en parle à toutes, mes produits terminés. C'est un démaquillant que le prix régulier, c'est 4$, mais quand il tombe en spécial, il tombe à 1 ou 2$. Fait que moi, dans ce temps-là, je fais des réserves. Je m'en commande 12 bouteilles, mettons, là. Fait que c'est vraiment ce démaquillant-là, depuis au moins 10 ans, c'est ce que je prends, puis je l'adore. Ah, j'ai terminé un top coat de Sally Hansen. Puis c'est en gel, là, c'est un top coat qu'il faut faire cuire, mais là, celui-là, il est rendu vraiment trop épais. Ouais, mais c'est ça. Mais il était vraiment bon. Il était vraiment, vraiment super bon. Rien à dire, je l'ai adoré. C'est sûr que là, présentement, vu que j'utilise les vernis de LR Cosmetics, eux autres, t'as pas besoin de mettre de top coat. Fait que c'est encore plus pratique quand t'as pas besoin de mettre de top coat. Mais en tout cas, si jamais vous avez des vernis qui ont besoin de top coat, ben celui de Sally Hansen de pharmacie comme ça, moi je le trouvais très bon. Dernier produit, c'est une ombre à paupières de Colourpop. C'est la couleur Amaze. C'est comme dans leur première couleur. Le Colourpop, ça a commencé en 2015 ou 2016 à peu près, là. Fait qu'en tout cas, ma première commande, d'après moi, c'était à peu près ça, 2016, là. Puis la couleur Amaze, c'est pas mal une de mes couleurs les plus portées. En fait, elle est pas mal vide, là, tu sais. Il en reste, mais ce qui reste, c'est inutilisable. C'est trop sec, là. Regardez, ça fait plus rien. Alors qu'au début, c'était comme plus crémeux. Puis ça faisait vraiment un pigment, là, intense, là. Fait que, mais en tout cas, les Super Shock Shadow, comme ça, en petit pot, là, de Colourpop, c'est vraiment un coup de cœur. Moi, je les adore. J'en ai à la tonne. J'en ai à la tonne des ombres à paupières comme ça, de Colourpop. Puis c'est vraiment un de mes produits préférés. Ouais, c'est ça. Je l'adore. Fait que la couleur Amaze, là, ben, je vais vous le montrer le plus proche, là, mais... Ouais, d'après moi, ça va être trop flou, hein. Puis, il y a des petites micro-paillettes dedans, là, fait que ça faisait vraiment un effet... Waouh! Waouh, waouh, waouh! Bon, ben, ça fait le tour pour mes produits terminés. Fait que je vais aller faire le montage de ça, regarder de quoi que ça a l'air, si c'est pas pire. Puis, si c'est pas pire, ça se peut que je me retente à faire d'autres vidéos avec mon cellulaire. Puis sinon, ben, à part de ça, ben, je vous dis, passez une belle fin de journée, puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!